En Belgique, on a l'habitude de jouer sur pas mal de festivals, mais qu'on est placé ici sur le main stage, on est quand même très respectueux d'être là. Et c'était un concert, les gens ont, je pense, très fort aimé. La réaction était fantastique. Il ne faut pas oublier qu'on a arrêté pendant 13 ans. Tu reviens, il faut quand même montrer ce que tu vaux. Et ouais, on est très, très heureux d'être là en France, en fait. On a une certaine passion, agression en nous. Et on veut montrer ça, on veut... Et je pense que c'est un bon équilibre. L'album qui est bien fait, mais en live, il faut toujours donner un extra. Et moi, je suis toujours content quand ma voix fait ce que je trouve qu'il faut faire. Et comme aujourd'hui, parfois je gueule un peu plus parce que l'impact est là, t'as la grosse sono. Je veux dire, ça reste toujours... faut dire comme ça, on peut être heureux qu'on peut faire ça parce que ça reste, c'est toujours un job phénoménal, hein, faut dire comme ça. Le nom est tombé un peu au hasard avec le groupe Public Enemy qui a sorti un morceau de Channel Zero avec un riff de Slayer en fait. C'était du rap avec du Slayer. Et au début, on a eu un peu de commentaires là-dessus, quelque part là-dessus en Belgique, mais je parle les premiers 6 mois. Et une fois qu'après, la musique s'est imposée, on n'a plus jamais eu quelqu'un qui s'est posé une question. Yeah! Ce qui s'est passé, c'est qu'en 95, on a remplacé le groupe Life, le groupe américain Life, à un festival qui n'était pas du tout metal. Et en premier instant, 3 jours avant ce festival, on nous téléphone pour aller jouer là. On était un peu bouleversés. On se disait, écoute, est-ce qu'on va bien être accepté là? Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en faisant ce festival, on a explosé dans un mainstream market. Et ça, c'est quelque chose que tu ne sais pas planifier, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé parce que je me souviens qu'on venait de Paris en fait. Et il y avait une tournée qui a été annulée, on était à la maison, on était un peu down. Et 3 jours après, on nous téléphone pour jouer sur un festival, 2 fois 70 000 personnes, avec Body Count, mais aussi avec R.E.M. et plein d'autres groupes qu'on n'aurait jamais pensé jouer avec. Et en Belgique, on a eu un statut, d'ailleurs toujours maintenant. La semaine passée, on a joué avec Metallica. C'est un rêve qui devient une réalité, il faut dire comme ça. Alors, je pense que maintenant, ce qui est le plus important, c'est qu'on essaye de montrer ce qu'on vaut à Hellfest, à Wacken, en Angleterre aussi. Et j'espère qu'on va de nouveau aller en tournée parce que, comme j'ai dit, on a joué déjà pas mal en France. Aussi, les festivals assez grands. On a déjà joué au Parc des Princes, dans le temps avec Rage Against the Machine, Prodigy. C'était assez marrant parce qu'en fait, on était en train d'un peu faire... On sentait qu'il y avait un marché qui marchait en France pour nous aussi. Mais on a splitté à ce moment-là, alors, yeah, malheureusement. Yeah,